Ah ouais, c'est pas mal. Avance-le, ouais. Attention qu'on ne voit pas ta main. Pas sur le... Voilà, oui. Sur la tête, super. Oh putain, ça fait bien. Alors, que fais-tu? Coucou. Que fais-tu, Hugo? Toujours tu travailles, toujours. Bonjour à tous. Alors, là, je suis en train de préparer le plan que je veux. Enfin, c'est dur à... C'est très dur à casser. En fait, je comble. Ici, il va y avoir une montagne très haute. Et là, une colline, un peu comme il y a ici. Je suis en train de préparer ma colline comme ça, si vous voulez. Et je mets de l'enduit pour faire style colline. Après, bien sûr, ce sera peint. Je vais y mettre des buissons, de l'herbe et tout, mais je vous montrerai. Là, pour l'instant, je vais essayer de faire quelque chose qui soit assez naturel, ce qui n'est pas gagné. Croyez-moi, ce n'est pas gagné, mais bon. Mais pour Voilà. le moment, Oui, c'est pour... un chantier. Oui, en fait, c'est un petit peu comme quand tu construis ta maison, quoi. C'est un chantier au début. Maintenant, je voudrais savoir, tu as encore de l'enduit, Marisol? Oui. Ah, cool. Voilà. Comme ça, vous savez. Je vais faire des petites grottes. Ouais. Là, si tu veux, il y aura une maison. Et là, je vais faire le chemin, la route, là. Voilà. Parce qu'il faut essayer de faire en sorte que ce soit réaliste. Voilà. Comme ça. Donc, la route va descendre là, comme ça et tout. OK? Et là, ça va être... La rivière va être là. Là, il va y avoir une grosse falaise, la plus petite. Il va y avoir un pont. Ça fuse, hein? Il y a beaucoup de trucs. Et je vous garantis, il fait très chaud là. Hein. Je sais pas combien il fait, Morissette. Je sais pas, On est à 30 au moins. 40, 42, tu vois? Au Ouais. moins, hein. Oh. J'ai déjà fait ça hier. J'ai acheté un petit truc comme ça. Et le problème, c'est que ben, ils m'ont pas livré la prise avec le câble. Et j'ai cherché dans tous les câbles que j'avais. Et pas moyen de trouver. Et là, ce matin, j'ai sorti mon airbrush. Et j'ai vu que le câble était pareil. Je l'ai essayé, ça fonctionne. Tant mieux parce que je ne savais pas du tout comment j'allais faire. Donc maintenant, je vais couper ça avant de rajouter le reste. Voilà. Mm.
Ça, c'est la pieuvre que j'ai donc fait hier. Je l'ai posée là. Je ne peux pas la sortir parce qu'il y a 8 bras. J'ai dû faire en sorte. Voilà. Donc là, j'ai fait la base très vert avec du noir. Là, je vais diluer un petit peu de brun et je vais y rajouter quelques touches, etc. pour que ça fasse vrai. Voilà. J'ai protégé comme j'ai pu. Voilà. Et puis, je vous montrerai après. Voilà. Bien, je l'avoue, je galère un peu. En fait, dès le départ, ce que j'aurais dû faire, c'est couper la piscine. Je voyais que c'était pas droit, j'aurais dû la couper et tout, parce que là, maintenant, je suis super embêtée. Alors, je sais pas trop comment je vais faire, je pense que je vais me servir de l'argile. Je vais mettre de l'argile et tout pour combler, pour couler en tout cas. Et puis voilà, quoi, peut-être qu'elle restera même, hein, je sais pas. Ouais, je suis embêtée. Ou alors je prends l'argile sans cuisson. Ouais, je vais voir. En attendant, je vous montre tout là parce que c'est pas toujours nickel. Et puis je pense que pour tout le monde, c'est pareil. Il y a des fois, il y a des ratés. Mais je préfère vous les montrer. Voilà. Donc je vais vous montrer. Alors voilà où je galère, c'est ça. Là. Vous voyez le bombé en fait. Voilà, j'ai fait couper là. C'est Morissette qui a coupé tout à l'heure. Parce que je pensais que ça suffirait. Donc en fait, j'ai rajouté ça.
Ce que je vais faire, c'est que je pense que je vais combler là avec avec de l'argile sans cuisson. Ouais, je pense que je vais faire comme ça. Alors, vous avez vu ce que j'ai rajouté là? Regardez. Il y a des petits, une bouteille de whisky avec deux verres. Ouais, c'est pour les deux jeunes là qui sont en train de taguer. Mais là, c'est pas mal, non? Là, elle m'aura pris du temps, celle-là. Bon, bah écoutez, je vais essayer de faire comme ça, puis on verra bien ce que ça va donner. Voilà. Mais même là, hein, du côté là, là, il est trop au-dessous. Ouais, par rapport à ça. Ouais, j'ai vraiment fait, c'est le premier que je fais, hein, donc j'ai vraiment fait le truc à l'arrache, quoi. Ouais, c'est pas bien bossé, ça. Bon, écoutez, je vais essayer, d'accord? C'est bon, je me suis assis 10 minutes et tout. Vous savez ce que je vais faire? Je vais monter deux murs. Voilà, avec l'argile et tout, mais pas l'argile sans cuisson, oui. Je vais monter les murs, comme ça, ça va être pile poil et tout. Je vous montre ça. Allez. Thank you.
Je pense que j'ai réussi. En tout cas, ça ne fuit pas. Je suis contente. J'en ai mis un petit peu parce que ce n'est pas la peine d'aller trop trop vite. Et voilà déjà ce que ça donne. Alors, je vais le remplir quand même jusqu'ici à peu près. Voilà. Bon, bah écoutez, j'ai pratiquement fini. Je vous montre à la fin ce que ça donne. Ok, je vais mettre le toit aussi. Oui, ça va quand même fermer comme ça. Voilà, je vais mettre de la lumière peut-être. Je vais voir. Bien, bah écoutez, à tout à l'heure alors. Coucou. Coucou. Alors, après la fuite, j'ai refait, je vous montre. J'ai pu mettre de l'eau. Donc voilà la piscine. Voilà. Et maintenant, alors ce que je vais faire, c'est que j'ai envie de faire un toit. En plus, ça c'est fait au... J'ai sorti trois petits LED avec une prise. Je vais donc faire mes branchements. Et je vais mettre les LED ici. Et le toit, je vais le mettre carrément ici. Voilà. Bon, il y aura un double. Il y a celui-ci, il va y en avoir un autre dessus, comme ça. Et en fait, je vais tout fermer pour que ce soit complètement fermé. Là, je vais rajouter encore un produit, mais je vous le montrerai tout à l'heure. Coucou. Alors, la peintrace. Je souris pas, je viens de manger. Elle a tordu le bol. Hey, il est faim, faut nourrir la bête, hein. Oh, putain. On fait une vidéo plongeante. J'ai fini la piscine et je suis contente d'avoir terminé, mais je suis pas très contente de ce que j'ai fait, non. Ça fait rien, c'était la première. Voilà, je voulais faire un truc. Heureusement que j'ai pas fait une piscine neuve, parce qu'il y a tellement d'erreurs que... De toute façon, j'aurais pas pu faire autrement. Bon, je vous montre maintenant, je viens de passer l'enduit sur ce qui va être ma maquette, d'accord? Allez, je vous montre. Et voilà, alors j'ai mis ce qu'il fallait. Voilà, tout autour, là, il va y avoir du contreplaqué, donc ça va cacher les plaques, d'accord? Et voilà, donc, si on résume bien, ici, il va y avoir une cascade, là, voilà, la cascade, la rivière va passer comme ça, ok? Et ici, il va y avoir comme un souterrain, voilà, je vais faire qu'elle part, tout. Là, ça va être des emplacements pour les maisons, où c'est plat, et là, la colline, voilà. Bon, je vais rajouter encore un peu d'enduit après, mais je ne veux pas trop en mettre parce que sinon ça sera beaucoup trop lourd. Et au fait, ça, ce sera pour ma crèche. Voilà. C'est ce que je fais en fait. Ouais, comme ça, c'est un peu mieux.
Bon, ce sera grand, ça sera posé carrément sur le meuble, voilà. Donc tout ça, ça va être caché, hein, par le contreplaqué. Voilà. Bon, écoutez, aujourd'hui, il fait vraiment chaud. Il n'y a pas beaucoup de monde à la plage, hein, parce qu'on cuit. Je ne sais pas combien il fait, mais... Donc, voilà. J'ai passé, une couche de peinture, plusieurs teintes. Je fais du brun, du vert et tout. Voilà, donc là, c'est juste le fond. En fait, après, il va falloir que je mette l'herbe et tout ça. Et j'ai pris deux décharges électriques avec la machine pour mettre l'herbe. Donc, je vais faire ça demain, j'ai déjà peur. Voilà. Donc, vous voyez un peu ce que ça donne. En fait, c'est un paysage en miniature. Voilà. Ah, merci d'avoir regardé cette vidéo. Écoutez, je suis contente d'avoir fini. J'ai chaud, je suis fatiguée, ça fait déjà trois fois que je me change, je ne sais pas quoi mettre pour être bien. Voilà, ben écoutez, j'espère que vous allez tous bien, moi ça va nickel. Et je vous souhaite à tous de passer une très bonne journée et je vous dis une bonne semaine. Donc la prochaine vidéo, ça sera sans doute la suite de ça. Ok, allez, bye à tous.